Monsieur Gorry, tenez, c'est pour vous. Ils ont demandé à parler à la personne qui prend les décisions. Ils sont en ligne. Tenez, écoutez. Ici Gorry. C'est moi qui prends les décisions. Gorry. Désolé pour l'attente, Gorry. J'ai eu un programme assez chargé. Je veux savoir comment vont les otages. Ils vont bien, mais tout dépend de vous. Malpenga est avec vous ? Oui, il est avec moi. Parfait. Alors je veux la combinaison du coffre-fort et un hélicoptère. Vous savez très bien que ça ne vous servira à rien. Vous êtes entièrement cerné. Hé, hey, le flicaillon. T'as pas bien compris, je crois. Donnez-moi ce que j'ai demandé. Oh, j'ai une petite surprise pour vous. Regardez en direction de la terrasse. David... Ne te lève pas. Reste tranquille, tu as perdu trop de sang. Reste calme, les secours vont arriver. Mais qu'est-ce qu'il fait? Comment tu t'appelles déjà? Gorry. Gorry, je te déconseille de te moquer de moi. Tu as Malpenga, et moi j'ai des otages. Il y a un otage. Ne tirez surtout pas. Ne tirez pas. Je répète, ne tirez pas. Je veux la combinaison du coffre et mon hélico tout de suite. Sinon... Oh, il y a une rupture. Un otage sera abattu toutes les heures. Vous avez entendu? Il a abattu un otage. Mais arrêtez! Il veut la combinaison du coffre et un hélico pour s'échapper avec le butin. Écoute-moi bien. Rex va venir vous retrouver. Donnez-lui le matériel dont j'ai besoin et renvoie-le-moi. Il est le seul à pouvoir sortir de la villa librement sans se faire repérer. T'as compris, Monterosso? Compris. Ne perdez pas une seconde. Bravo Rex, viens me voir, t'es un bon chien. Si Fariali, dis à l'infirmier de nous apporter le matériel nécessaire. À vos ordres. On compte sur toi Rex, fais bien attention, d'accord ?